un peuple d'assoiffés, une assemblée de passionnés est réunie en ce lieu ce matin pour élever ton nom, pour élever le seul nom digne de gloire, digne d'exaltation, digne d'acclamation. Ton nom est digne, ton nom est grand, ton nom est élevé au-dessus des cieux. Il n'y a point d'autre nom qui nous a été donné. Seigneur, nous avons le souvenir qu'un matin, un certain matin, alors que des femmes allaient pour embaumer le corps, elles sont arrivées et elles ont regardé au tombeau. Elles ont trouvé cette surprise. La pierre a été roulée. La pierre du tombeau a été roulée. Le tombeau était vide. Alors qu'elles se lamentaient, elles entendirent cette voix qui dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Regardez, il est ressuscité, il est monté dans les cieux, il est assis à la droite de Dieu le Père. Mais il ne nous a pas laissés orphelins. Avant de partir, il nous a donné le Consolateur, le Paraclet, le Saint-Esprit, l'Esprit de feu. Et nous voulons célébrer la victoire de l'agneau. La victoire de l'agneau immolé, la mort n'a pas pu le retenir. Le séjour des morts n'a pas pu le retenir. Il est sorti vainqueur, il est sorti triomphant, il est sorti victorieux. Est-ce qu'on peut acclamer la victoire de l'agneau? Nous célébrons l'agneau de Dieu. Il est vivant pour les siècles des siècles. Il est vivant pour l'éternité. Il est vivant et mon âme veut bénir le Seigneur. Mon âme veut célébrer sa majesté. Mon âme veut te bénir, oh Dieu, toi qui accomplis tant de merveilles. Il n'est pas mort. Il n'est pas resté dans le tombeau. Le tombeau n'a pas pu le retenir. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Jésus-Christ est sorti vainqueur. Alors mon âme veut te bénir. Elle veut te célébrer. Elle veut proclamer tes bienfaits. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Et parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité, nous avons l'assurance que nous ressusciterons aussi avec lui. Il règne auprès du Père et nous sommes à lui positionnés stratégiquement. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Face à la mort, Jésus est Seigneur. Chantons mon âme. Te bénis, mon âme t'exalte et mon esprit. Mon esprit exalte ton nom, il magnifie ton nom. Car la mort n'a pas pu te retenir. Le séjour des morts n'a pas pu te retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Face à la mort. Encore une fois, disons, mon âme, mon âme, mon âme te loue. Mon âme reconnaît tes bienfaits. Mon âme reconnaît les bienfaits de ton amour dans ma vie. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi qui produis en nous le vouloir, le faire, l'être, le mouvement. La mort n'a pas pu te retenir, Seigneur. Les pharisiens pensaient qu'ils en avaient fini avec toi. Le tombeau pensait qu'il pouvait retenir le roi de gloire. Mais il ne savait pas que même dans le tombeau, tu es Seigneur. Face à la mort, tu es Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, les hommes de ce monde s'accordent à dire que l'ennemi commun à tous les hommes et face auquel aucun homme ne peut quoi que ce soit, c'est la mort, même dans le tombeau. Mais Seigneur, parce que tu es ressuscité, tu as prouvé que tu règnes même sur la mort, même sur le
séjour des morts. Jésus est Seigneur et nous voulons acclamer le ressuscité du troisième jour. Gloire, honneur, puissance, majesté à Jésus le Christ, à Jésus le ressuscité. Il est Seigneur, il est Seigneur même dans le tombeau. Jésus est le Seigneur. Il n'est pas resté dans le tombeau. La pierre a été roulée. Le tombeau est vide. Jésus est vivant. Il vit en nous au travers de son esprit. Même dans le tombeau, Jésus est le Seigneur. Face à la mort, Jésus est Seigneur. Chantons-le. Même dans le tombeau, il est vivant. Pour l'éternité, son règne est affermi. Son règne n'a point de fin. Il règne en majesté, il règne en gloire, il règne, il règne. Le tombeau n'a pas pu te retenir, Seigneur. Ta gloire s'est déployée dans le tombeau. Ta gloire s'est déployée. Et tu as pris, tu as arraché la clé de la mort et du séjour des morts. Oui, j'ai dit, Seigneur. Son règne est établi sur tout l'univers.